Ok, on joue contre Xénophile. Alors, on a de la gestion de la rampe, on a nos couleurs, et lui, il joue un aggro. On a une rampe dans une vrasse, on a déjà... Pardon. On a déjà deux de nos couleurs pour la vrasse. Par contre, il est sur le play, mais on a Mortify. Je vais garder. Faut pas qu'il ait un drop 1, juste, sinon c'est un peu embêtant. Ouais. C'est mal parti pour qu'il ait pas de drop 1. Ok, il a un drop 1 du coup. Alors. Pression de la jungle, elle est mieux. Quand on fera Mortify, on le fera sur son Sir Paren. Parce que bah il booste une autre carte. Nécessairement c'est lui le danger. En attendant on pose nos couleurs. ça le fait chier. Ça peut le pousser à attaquer dans Tef un tour, le temps de nous laisser faire Vras. Ouais. Ouais, je suis même à moitié convaincu que c'est ce qu'il ferait. Si on lui mettait un peu l'ultimatum. Mais d'un côté, j'ai besoin de deux blancs pour Vras. Ouais, je pense qu'en fait il va jouer des bad curves, du coup renvoyer dans sa main ne fera pas vraiment perdre de temps parce qu'il va juste reposer ce qu'on lui a bounce plus bah, tout le reste de sa main. En fait, je pense que ça va être un deck qui vomit sa main. Du coup là concrètement l'idée c'est survivre. Survivre et quand on a stabilisé c'est fini. Hein. Rôdeur des lignes ça va très très bien tempo. Et clairement on bloque avec. S'il attaque, on bloque avec, ça nous fait heal. Ouh, c'est chiant ça. Ça me fait regretter de pas avoir landé de tap. My, my, how you've grown. Ouais, ça fait des anti-bêtes, ça, bien entendu. Bien entendu. Ouais, et puis là, en plus... Ah là là, je suis obligé de fontaine sacrée. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Tout ça pour des sparks, sa merde. Ah la vache. Et je peux même pas enchaîner sur Rodeur. Et je peux pas non plus enchaîner sur Vras. Parce que du coup si je veux faire Rodeur, je suis obligé de tap land. Après on peut tuer Sir Paren. Là il m'attaque quand même à 8. Ouais il va falloir Rodeur. Ça c'est quoi? Si vous contrôlez une autre créature non humain. Bah oui, ça c'est juste une oie. Elfdruid. Ça c'est humain. Ouais, c'est un peu plus bien vu que ça. Après c'est une autre non humain, ça veut pas dire que des non humains. Pourquoi il a... Ah, il a produit dessus. c'est embêtant. Ouais, si je tue Sir Faren, il me met que deux et au tour suivant je peux voir. C'est bien. Hein. Je pense que ça va être notre ligne de play. Hein. Et oui. Parce que là il m'a fait mal en fait. Oh ça c'est très très bien. Je vais tuer Sir Faren tout de suite tant qu'il peut pas voile de l'été. Waouh, il nous a fait mal. Hein. Il va me mettre 3 là. 3 PV je passe à 7. Je rase son board. Derrière il revient plus lentement que moi. Parce que moi je fais... Ouais. Hop, ça s'en va. Ok, je peux plus Sir Faren dans l'immédiat. Oh là là, la plaie. Oh la plaie. C'est dans les top 3 des trucs qu'il fallait pas qu'il ait. Ah, puis au tour suivant, il a 8 mana. Waouh! Waouh! Ça fait mal ça. Je suis obligé de serment de cahier à son machin.
Je dois poser un tapland. Je suis obligé de mettre odeur en fait. Je suis obligé de me blast et de mettre odeur. Je crois qu'il la gagne. Sortie trop rapide pour nous. Je crois qu'il la gagne. Ouais. Waouh. Bah il la gagne fort même. Fort heureusement on a gagné nos pebs. Ouais. Là il me faut plus de verre juste. Je suis obligé de mettre odeur parce que ça tue son truc. Ça fait quoi ça? Ça met 3 marqueurs? S'il sacre une food? Ah non, c'est, elle avait déjà 3 marqueurs, ok. Je me disais aussi c'est un peu fort. Mais ça va. Ouais. Là, tranquillement, il peut s'y refaire et développer autre chose. Et moi, je suis derrière. Harness the elements. M'attaquer avec tout, il me met un. C'est quand même fort. Hein. Est-ce qu'on arrivera à stabiliser? J'ai enlevé la crasis de mon deck. Ouais, ça, ça me tue. Hein. Il va doubler. Il va doubler les compteurs et. Ok. Bon, il aurait pu. Oui. Oui, c'est vrai que l'un dans l'autre. Du coup il aurait dû le mettre moins fort et comme ça il aurait développé Sirfarine en fin de tour. Là c'est lui qui a misplay. Même si en l'occurrence je pense que ça ne change pas grand chose. Alors est-ce qu'on top deck Cléron? En fait Cléron nous souffre pas plus. Si on peut faire Cléron Druides, ça nous souffre pas trop. Ah c'est bien ça. C'est ça, ça nous sauve par contre. Ouais. Ça nous sauve, ça fait qu'on meurt pas à ce tour-ci. Devrais-je plutôt préciser. Poc. Ah, il nous propose même pas de nous blast. Ouais. Bon, derrière, qu'est-ce que je peux faire? Je peux nif trouver une interaction. Ça suffit pas. Hein. Ok, gagné. Ah, c'est un beau top deck quand même. Faut le dire. Sans vouloir être de mauvaise foi, c'est un très beau top deck. C'est pas mieux d'engager ça. Ok, et là il nous défonce. Moi ça te fut vite expédié. Bon bah on a quand même perdu une parce qu'actuellement j'étais le seul à 4-0. C'est pas grave, on est quand même en top 8 donc ça fait plaisir. Enfin top 8, top 4. Parce que je crois que si je me rappelle bien, on est... Ouais. On... En fait il prend tous ceux qui sont à 4-1. Et normalement on est que 4. Si Yenip a bien fait ses calculs. Yes. Eh ben, partie sympa, il nous a défoncé.